Ok, j'ai besoin de me cacher, le tueur retourne sûrement sur la scène de crime. Bah, attendez, on va se cacher là. Là, elle est bien cette porte, non? Ah bah non, c'est là le crime, quel con, faut pas se cacher là. Mais je me cache où je... Là, c'est bien. J'y vais ou j'attends? Parce... Salut YouTube et bienvenue sur ce let's play de Homeless, un jeu d'horreur au graphisme ultra réaliste qui nous met dans la peau d'un surveillant de nuit effectuant une très mauvaise rencontre. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu en commentaire car cela aide énormément pour l'algorithme de recommandation YouTube. N'hésitez pas à vous abonner non plus et à me rejoindre sur Twitch pour découvrir ensemble des nouveaux jeux d'horreur. Merci pour vos visionnages. Brooklyn, New York, en 98. L'ambiance, elle a l'air incroyable, je vous jure. Je suis pas allé plus loin que les 30 premières secondes du jeu. Mais je déteste cette satanée ville. Les riches, ils vivent leur meilleure vie dans les penthouses, pendant que les pauvres, ils vivent dans la rue et ils ont du mal à se nourrir. Durant mes 45 ans, on m'a toujours promis qu'un jour, moi aussi, je finirais parmi les riches. Mais tout ça n'était qu'un mensonge. Je reste bloqué ici pour toujours, forcé à devoir surveiller ces trains pour des clopinettes. Merci Zico pour le follow. Yaldous pour les 50 bits. Et Hello pour les 200 bits, merci à vous. L'ambiance elle est incroyable, on est d'accord. Hein. Je vous le dis, accrochez-vous. Alors je me spoil pas, j'ai juste vu le trailer. Et je me suis fait dessus en regardant le trailer, donc ça promet. Le machin, il s'est arrêté, non? Il s'est éteint juste quand je suis passé à côté. Ils sont remis en marche. Oh mon dieu, va falloir prendre le métro à tous les coups. Attendez, on va aller voir les trains. J'ai pas de lampe de torche pour le moment. Ah non, je pense qu'il va nous faire aller là-bas. Trop beau le jeu comme ça. En plus, dans l'ambiance, dans les rues de New York comme ça. Ok, on va voir ce qu'il faut faire. Merci Margot pour le follow. On a les trucs de surveillance. Alors attendez, je pense qu'ils veulent qu'on prenne les badges. On va juste jeter un coup d'œil aux caméras de surveillance si on voit quelque chose de chelou. À mon avis, on va devoir passer par là. Il y a quelqu'un. Les amis, il y a quelqu'un. C'est moi, il y a quelqu'un qui se tient debout là, non? Ou c'est une poubelle? Attendez, j'ai un doute. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se tient debout là, non? Non, c'est une poubelle. Je crois que c'est une poubelle. Bon, à New York, il doit bien avoir des grillons, des trucs comme ça l'été. Il y a des grands parcs hein, quand même à New York aussi. Il y en a à Lyon, hein. j'en entends des fois à Lyon. Alors si on entend à Lyon... Salut Alphée, comment ça va? Ouais, tout à fait Alphée, bien vu, c'est ça. Vous pensez que c'est quelqu'un ou pas? Ouais, dites-moi un si vous pensez que c'est quelqu'un dans le chat, deux si vous pensez que c'est pas quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui a un manteau. Et là, il y a les mains. Et là, on voit pas trop, mais je pense qu'il est brun. Non, vous pensez pas que c'est quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, hein. À mon avis, ils ont fait exprès de nous montrer ça. C'est notre badge, on s'appelle Albert Wesker, non Albert Smith. Agent de sécurité du métro. Oh non, on doit faire la sécurité dans le métro, c'est sûr qu'on va se faire poursuivre dans le métro. Sujet. Il faut prévenir de l'entrée des sans-abri dans l'espace du métro durant la nuit. Chère équipe, on vous écrit une lettre à votre intention. Il y a eu des incidents. Apparemment, il y a des sans-abri qui prennent refuge dans la station-service. Or, c'est interdit pendant les heures de nuit. Il faut s'assurer que tous les points d'entrée sont monitorés. Ok. Il faut reporter si on voit quoi que ce soit d'inhabituel.
Et quand vous rencontrez, il faut engager la conversation avec les individus avec compassion et les guider vers la sortie appropriée. Ok, merci pour votre attention. La sécurité du signé le chef de la sécurité des métros de New York. Ok, je dois checker toutes ces caméras. Oh putain, c'est trop bien. Alors les amis, je sais pas du tout, hein, je me suis pas... C'est Quercus, je me suis pas spoilé, je connais pas le concept, mais si c'est des allers-retours et aller vérifier les caméras, ça a l'air trop bien. Sur Twitch, vous avez le lien en bio, les amis, TikTok. Vous avez juste un lien, il est dans le bio, il y a juste à cliquer dessus. Et merci pour les follow sur TikTok et YouTube, faut pas hésiter à nous rejoindre sur Twitch. Surtout un jeu réaliste comme ça, vous aurez une bien meilleure qualité. Non, c'est une poubelle. Maintenant qu'on peut zoomer, pour moi c'est une poubelle, on est d'accord, hein. Poubelle. Attendez, on va partir de celle en haut à gauche, on va aller faire une à une. Ça, je crois que c'est à gauche, c'est l'entrée du bâtiment, c'est où on est. Donc c'est un taré avec un couteau jusque là. Ouais, c'est horrible, Yax, mais ce qui est bien, c'est qu'il disait que bah fallait les guider avec compassion, etc. C'est plutôt cool. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le droit de pas être d'accord, les amis, avec moi. Attention, je peux leur faire la polémique, hein, mais ça me tenait à cœur de le dire. J'ai aucun souci, moi, parce qu'on partage pas les mêmes opinions que moi, y a pas de souci, donc c'est dans le bon état d'esprit. On voit que le jeu, il était, comment dire, le développeur, il voulait pas faire une généralité, c'est vraiment juste de la maladresse, le titre. Je doute pas que... qu'il y ait quoi que ce soit de spécial derrière. Il y avait quelqu'un à la fenêtre, c'est vrai? À la fenêtre où? De là où on est? Attendez, merde, ça a marqué quelque chose, j'ai pas eu le temps de voir. Merde, il y a eu un objectif, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était en haut à gauche. C'est moi ou j'entends du bruit? Vous me faites douter maintenant. J'ai pas eu le temps de voir, il y avait un truc en haut à gauche? Attendez, je pense qu'il faut qu'on finisse de regarder les caméras. Oh merde, il y a encore un problème avec l'électricité, il va falloir que je répare ça. C'est donc à droite? Ah ouais? J'ai pas vu. En tout cas, là, faut qu'on sache où aller, parce que faut qu'on répare. Ici, il y avait quelqu'un? Moi, je vois pas ici. Hein. Attendez, on va tous les checker une par une. Histoire de voir à peu près à quoi elle ressemble. Oh mon dieu, c'est horrible, les amis. Il y a une caméra où on est. C'est horrible. Ça me rappelle le jeu avec la mamie, les amis, où il y avait les caméras. Où la mamie, elle était juste derrière nous. Vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il y aura quelqu'un qui sera derrière nous. C'est obligé. Merci Myrti pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. C'est la pire caméra, celle-là. Ok, les téléphones, c'est tranquille. Celle-là, elle est horrible aussi parce que c'est derrière le recoin. C'est blanc poulet, coucou les arrivants. On est d'accord, Sky. C'est derrière moi, Karma? Ouais, je suis d'accord. C'est la pire. C'est quoi? C'est le Père Noël à droite? Je crois, hein, niveau affiche. Alors, moi, j'ai rien vu de spécial. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit un truc dans la caméra qu'on a regardé en haut à droite. Ah mon dieu, c'est quoi? Oh mon dieu. Oh non. Attendez, je rêve. Je rêve. C'est quoi? Vous voyez comme moi ou pas? Non, mais c'est pas possible. Pas de cette taille-là, c'est pas possible. Le jeu est censé être réaliste. C'est des araignées? On dirait des araignées. Non, c'est pas des araignées. Oh non, pitié. Non, pitié, pas des araignées, j'en peux plus. On a fait un jeu avec des araignées il y a pas longtemps. Oh non. Ça va être l'enfer, les amis. Ça va être l'enfer sur Terre. Ok, donc je pense qu'il faut qu'on trouve cette caméra-là. Où c'est? Ok, bon bah let's go, on va chercher, on va se balader. J'aimerais bien avoir une lampe de torche quand même, ce serait cool. Faut peut-être qu'on prenne notre badge, non? Je peux pas le prendre avec moi. Une lampe de torche, franchement, ce serait vraiment pas trop. Ah, je peux allumer cette télé, je pense qu'on pourra regarder des cassettes. On peut appeler... Putain, c'est trop bien, on a un poste de surveillance. En fait, c'est je savais pas du tout à quoi m'attendre comme style de jeu. On a un poste de surveillance. Hein. Va falloir qu'on survive à la nuit. Ok. Allons-y, on ferme la porte. Ça évitera qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans et qui nous attendre derrière la porte. On va aller voir là-bas. On peut pas y aller.
Merci Moonin pour les 3 mois. Comment ça va? Ces petits fantômes au bout des 3 mois. Merci à toi. Ça doit relier le métro, non? Non, j'ai pas l'impression. Ok. On peut légèrement courir, mais là je suis au max, donc autant vous dire que... Après c'est peut-être là? Non, je pense qu'il faut aller vraiment sur place. Sans l'entrée du métro, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On va pouvoir rentrer comme ça? Oh mon dieu, Samy, je sauvegardais, c'est mauvais signe. Merci Mimipad pour les 400 bits. Merci à toi et merci à Maël pour follow. Merci beaucoup pour votre soutien. Oh, je sens tellement pas. Entrée 4, 5, 6 par ici. Merci Solo pour les 100 bits. Je crois qu'on est... Ça ressemblait à... Je pense qu'on est pas loin du lieu où il y a le problème. Ça ressemble à ces couloirs là. Oh merci Zing Divine pour les 1000 bits, la vache, merci à toi. Merci Zing pour tout ton soutien. Merci tout le monde pour vos dons. Merci Zouzou aussi. Merci à vous pour le train de hype. Attendez, on peut passer là ou pas? Je regarde juste si le curseur... Non. Ok, c'est juste derrière. Il va falloir qu'on passe par ce grillage. J'ai besoin d'une clé. Besoin d'une clé, mais c'est bizarre, la clé elle serait plutôt dans... Thank you. Elle serait plutôt dans le bureau, non? Pourquoi il faudrait une clé par ici? Il n'y avait pas de clé dans le bureau, je crois. Il y avait une clé dans le bureau? C'est Underworld, et où les arrivants? Il y avait peut-être une clé à ramasser. Ok, on va retourner, je pense que la clé elle est là-bas. Par contre, il faut vraiment une lampe de torche. Hein. Je pense qu'ils vont nous en donner une parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient pas une pour l'instant. Je crois qu'on aura un flingue aussi à un moment donné, donc ça promet. Pas vu la clé? Ouais, mais elle doit bien être là-bas, non? Merci pour l'anonyme qui a envoyé le sub gift à Zeli. Merci à toi et merci Terence pour les 400 bits. Et Cherichou pour les 100 bits. Merci à vous. Et Mia Simone. Qui prend un sub avec Amazon Prime. Nouveau petit fantôme, premier mois de sub, merci à toi. Ah, on peut pas ressortir. Ok, elle est là les amis, est-ce qu'on peut pas ressortir? C'est bizarre quand même, il nous dit qu'il faut une clé. C'est quoi ce truc de surveillance ou la clé? J'ai un inventaire ou pas? Ou genre la clé, ils l'ont posée à côté de la porte. C'est bizarre, non? Je regarde s'il n'y a pas des trucs à faire ici pour trouver la clé, mais... Là, je peux pas passer. Ok, ok, faut qu'on passe par là. Merci pour l'utilisateur anonyme pour les 5 subs, Give. Je sais pas qui c'est, mais merci infiniment à toi pour ton soutien. Oh my god, Mia, mais tu fais des folies, c'est vrai. Non, mais faites attention, les amis, gardez-en pour vous, hein, faites pas trop de folies avec les dons. Merci infiniment, Mia, pour les 10 000 bits. Je crois que c'est le record de la chaîne, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes généreux, hein. Merci infiniment. C'est pas la compétition, hein, mais voilà, merci infiniment, Mia. Merci infiniment pour les 10 000 bits. Merci beaucoup à toi pour ta présence avant tout. Et merci, Liax, pour les 100 bits. Désolé, les amis, je prends. Le temps de remercier. C'était quoi cet enfer? Thank you. Merci Marche pour le sub gift, merci beaucoup. Ça fait monter le train de hype au niveau 7 direct. C'était quoi ça? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un qui joue avec moi, non? Qui s'amuse à taper contre les murs là? Attendez, est-ce qu'il y a un membre du personnel ici? Non?
Ils sont grands. Le métro, il est grand. Je vais me perdre. Je vais me perdre. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup, Mia. Vraiment, hein, ne vous mettez jamais dans le mal pour la chaîne. Mais en tout cas, merci à vous pour votre soutien. Il y a le bruit d'une tronçonneuse. Merci, Sherry Shun, pour le sub-gift aussi. Merci à vous. Merci pour tout, hein, les amis. Ok, ça c'est trash, on s'en fout, c'est des poubelles. C'est peut-être le tableau de commande, mais je pense pas qu'il soit là. De toute façon, il faut qu'on aille là où il y a eu le problème d'électricité, donc il faut qu'on trouve où c'est. Ouais, j'aime bien les bruits de pas, mais tant que c'est pas des bruits de pas qui nous suivent. Ah, la clé elle doit être là, les amis. Ça fait du sens. Je me disais, c'est bizarre de mettre la clé n'importe où. Ok, c'est normal. La clé elle est à la conciergerie. Ça, c'est pas les bits, c'est dans le jeu, ça. Ouais, merci beaucoup, Mia, vraiment. J'espère qu'on aura une lampe de torche, parce que ça me manque, là. J'aimerais bien savoir où on va quand on va dans des coins un peu plus sombres. Faut qu'on repasse par le portique. I don't think I can hide for now, Abby. But maybe later, I don't know yet. I know we can have a gun. I don't know what's the worst. To be able to hide or to get a gun. C'est bon, on a réparé. Merci la petite Pam pour les 100 bits et la fée pâchée pour les 100 bits. Merci à vous pour le super train de live, les amis. Merci à vous. Ouais, d'accord, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment pas que je dise lampe de torche, mais là vous aimeriez bien en avoir une quand même. Je pense qu'on peut retourner au bureau. Qui est là? On va voir ou pas. Après, pour moi, c'est notre boulot. Hein. Merci Luffy pour les 5 sub-gifts. N'oubliez pas de remercier les sub-gifts, les amis aussi. Merci à toi, Luffy. On est sur Homeless, le jeu, les amis. Ça, vous avez entendu, ça fait... You're welcome, Abdi. It's a pleasure. Thank you. Bon, merci, Lilith, pour les 5 sub-gifts. Merci, Tortue, pour les 100 bits. Merci beaucoup, Lilith. Merci à vous pour le train de hype de fou, les amis. Le train de hype niveau 8. Merci à vous. C'est bien juste avant que je me fasse agresser par un psychopathe. On aura célébré un super train d'hype. Oh, j'ai la chair de poule. Avez-vous déjà entendu les pleurs d'un homme affamé? Avez-vous déjà entendu les pleurs d'un homme affamé? Oh mon dieu, il va me bouffer. Je crois qu'il va me bouffer, les amis. Merci Hello et Cercle Musique pour les beats aussi, merci à vous. What the fuck, pourquoi il y a des dessins d'enfants ici? Mais attendez, on est dans le métro là, c'est quoi ce bordel? C'est pas une lampe de torche pour nous, ça? Non, c'est un peu gros comme lampe de torche, non? Il y a quelqu'un qui habite ici. Oh non, ça me fait de la peine. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. Merci, Terence. Par contre, pourquoi il y a l'alarme qui se déclenche? Ne sois pas effrayé des ombres dans l'allée. C'est simplement moi qui t'observe.
Help, à l'aide. Merci Claire pour les 6 mois. C'est grand fantôme des 6 mois. Merci à toi Claire. Sans abri, et en fait quand on enlève le M de sans abri, homeless, hopeless, ça veut dire sans espoir. Plus d'espoir. Et vous savez que quelqu'un qui a plus d'espoir, quelqu'un désespéré, ça peut faire les pires choses. Merci Nagini pour les 200 bits et Silzerine pour les 5 sub gifts. Merci à vous les amis pour le super train live. Merci infiniment. Vraiment, vous savez pas déjà à quel point votre présence, ça compte énormément pour moi. Donc, c'est ton job, tu fais demi-tour, tu démissionnes. Non mais moi c'est pareil. Hein. Déjà, je pense que j'aurais entendu le mec respirer tout à l'heure. Merci à vous pour votre soutien. Merci Silzerine pour les 5 sub gifts supplémentaires. N'oubliez pas de remercier les sub gifts les amis. On est au niveau 9 du train live déjà. Oh my god, yeah, that was what I was saying, Abby. I think he want to eat, even if he have to eat human, and I think I will be the one. Thank you. Oh là là, Cathy, merci pour les 10 sub-gifts, Cathy. Cathy, prends soin de toi, vraiment, profite. Tu fais énormément de dons, et vraiment, merci beaucoup. Vraiment beaucoup, je crois que c'est niveau 12 le record, mais là, on y s'approche dangereusement. Merci à toi, Cathy, pour les 10 sub-gifts. On est au niveau 10. Et merci les amis TikTok et YouTube pour vos follow aussi. Je suis désolé, je prends le temps de remercier les gens qui me font beaucoup de gifts sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez une qualité HD. Il s'est enfermé là, on l'a vu. Oh, attendez, il n'y avait pas quelque chose derrière là? Non. Ils vont forcément nous donner une lampe de torche à un moment donné, c'est obligé. Il semblerait qu'il y ait un autre sans-abri qui soit rentré dans cette zone, encore une fois. Merci Solouf pour les 100 bits. Après c'est son rôle, il a pas le choix. Même si ça fait peur, il est censé les guider vers la sortie. Oh Mia, merci pour les 1000 bits. Pareil Mia, vraiment, merci infiniment. Vous mettez jamais dans le mal. Hein. Je sais que je suis chiant à répéter les amis. Hein. Je vous inquiétez pas. Vraiment, je vous remercie avant tout. Hein. C'est juste que je veux vraiment pas que vous mettiez en difficulté pour la chaîne. Merci infiniment en tout cas pour le soutien Mia, vraiment. Merci Oveille pour le follow. Ok, bah c'est bon, on est sorti vivant, regardez, tout va bien. Tout va bien. Vous pensez qu'il m'a suivi? Ah bah attendez, on a un autre endroit. Non, on l'a vu là. Non, c'est d'où on est arrivé là, tout à l'heure. On va pouvoir refaire le tour ici, je pense. Et regardez les caméras, maintenant qu'on a réparé la coupure électrique. Merci Draken pour les 1000 bits. Merci infiniment, merci beaucoup Draken pour les 1000 bits, Mio pour le sub gift et Zouzou pour les 100 bits, vraiment merci à vous, merci, vraiment. Salut Karine. Merci chérie Shun pour les 100 bits. Ok, on fait quoi? On refait les caméras une à une? Normalement on va vérifier celles qu'on a réparées. C'est vrai, Déby, bah, j'essaye, hein, si je peux être agréable pour vous, les amis. Merci Pika pour les 100 bits. Et les follow aussi sur Twitch. Bienvenue à la commu. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Vous n'avez pas idée à quel point votre soutien est incroyable et important. Donc vraiment, merci à vous. Je ne serai pas là aussi souvent sans vous. Ok, vous me dites si vous voyez quelque chose de bizarre aux caméras, ok? Salut Fifi. J'ai entendu un bruit, mais je sais pas si c'est... Allez, on y va. Merci à vous pour votre compréhension, les amis, mais j'étais obligé de vous remercier. Oh mon dieu, mais il est hyper grand. Mais bordel, qu'est-ce que ce mec fait dans la station à cette heure-là? Oh, il est énorme, on dirait un Slenderman. Il est aussi grand que Slenderman. Il fait 3 mètres. Il fait 3 mètres, on est d'accord, hein. Alors c'est pas grave hein, les amis d'être super grand, hein. C'est pas dans le sens pour se moquer, mais c'est dans le sens où bah quelqu'un qui est un peu louche, plus il est grand, c'est imposant, vous voyez ce que je veux dire? Oh mon dieu, j'ai la chair de poule.
C'est quoi cette horreur? Oh mon dieu. Je crois que je préférais qu'on voyait pas sa tête, non? Je peux pas rezoomer. Faut qu'on y aille, les amis. On n'a pas le choix. Je peux pas rezoomer sur ça. Faut qu'on y aille. Faut qu'on aille dans le métro. Faut qu'on aille le sortir. C'est notre boulot. D'aller le sortir. Par contre, à quel moment on prend pas une arme? Non mais attendez, moi je veux bien, mais là il a pas une tête d'humain, à quel moment tu prends pas un flingue? Le mec il a les yeux qui sont jaunes qui brillent dans la nuit. Il y a un problème non? Alors soit il a trop bu de holly, mais alors j'ai jamais eu les yeux jaunes fluo avec le holly. Hein. Il y a pas une lampe de torche? Est-ce que vous voyez une lampe de torche ou un flingue là? Il y a peut-être quelque chose à ramasser hein? Non mais c'est encore pire avec la musique. C'est pas encore pire avec la musique? On va éteindre cette merde. Merci Lorena pour le follow sur Twitch. Bienvenue à commu. Y'a rien les amis, y'a rien. On peut même pas appeler les flics. De toute façon c'est à nous de faire le boulot, hein. C'est pas le boulot des flics. Hein. Vous voyez, je reviens à ce que je disais au début. Le jeu il s'appelait Homeless, c'est une maladresse parce que je pense pas que ça soit un sans-abri, je pense que c'est un monstre, un truc comme ça. Merci Just pour ton message, ça fait plaisir. Ça va Shadowhunter? Bah merci beaucoup, ton message fait trop plaisir. C'est parce que je vois passer de Holly à Der, ça doit être ça. Bon bah allons-y, c'est reparti. En plus on entend les flics pas loin. Ah attendez, on doit aller là-bas, regardez, il y a une flèche. Ok, donc c'est pas dans la même bouche de métro. C'est dans une autre section. Et encore une fois, j'espère que j'ai loupé personne dans les annonces. Et dans les messages, j'ai peut-être loupé des messages, je m'en excuse vraiment. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Votre présence et pour vos messages. Et vous en faites pas, quand je loupe des messages, souvent les modos me les transmettent après sur Discord en privé. Oh mon dieu, c'est dans le sous-sol de l'enfer, regardez. C'est là. Salut Julia. Bah oui, pourquoi pas dans un sous-sol? Allons-y. Tu me diras la petite Pam si t'aimes bien. Et Didine. Il était là. Je crois qu'il était là, non? C'était pas à côté des cabines téléphoniques. C'était dans une grande pièce carrée comme ça, non? Il fait des clochettes. C'est lui. C'est lui l'ami Val. Coucou les arrivants. C'est quoi ces clochettes? C'est un... Ah! Attendez, il a défoncé quelqu'un, non? C'est moi ou il y a des... Il y a des grosses éclaboussures de sang, par terre? Oh mon dieu, c'est un four? Oh, me dites pas que c'était un four. Oh non, c'est la cuisine. Oh non, c'est la cuisine, les amis. Il a bouffé quelqu'un, il a foutu quelqu'un dans le four. Il a tué quelqu'un. Il a tué l'un des gardiens, il l'a foutu dans le four. Je crois que c'est ça. À table! Oh merde, mais c'est un crime horrible! C'est quoi? C'est quoi ce bruit? C'est un séchoir ou c'est le... Oh putain, c'est bloqué. On dirait le couteau électrique. Le couteau électrique, il fait pas ce bruit là? Spécial fruit qui a été commandé. Oh mon dieu, c'est des yeux et du cerveau d'humain. C'est un smoothie fait à base de... avec des yeux et un cerveau humain. Génial, on doit sortir de là.
Oh non, c'est sûr qu'il va être là, les amis, au retour. Il est là, il est passé là, il est passé là. Vous l'avez vu passer ou pas? Vous l'avez vu passer là? Je crois qu'il est passé par là, donc normalement. Je peux pas mettre à quatre pattes. Donc, je peux pas faire plus discret que ça. En plus, on dirait que j'ai mis des talonnettes, comme d'hab. Il est parti à gauche, j'ai envie d'aller à droite. Non, ça vous dit pas? On va à gauche ou à droite, les amis? Moi, je serais bien allé à droite d'où il vient. Il y a peut-être une autre sortie. Ah putain, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière, on peut pas. C'est dehors, non? Putain, on peut pas y aller. Fais chier, on peut pas sortir, il veut pas. Je sais même plus d'où on vient. Il a laissé une pancarte. Je crie de ma solitude à travers les rues, mais personne n'entend mes plaintes. Merci, Eugenie. Merci, Essitiel, pour les 4 mois de sub. Merci à toi. J'espère que tu vas bien. On n'était pas venu par là? C'est quoi? C'est ça? Ça s'est ouvert? Je crois que ça s'est ouvert, non? Ça vient de s'ouvrir, là. Qu'est-ce qui se passe sur les lignes, what the fuck? Il est en train de mince, trafiquer tous les systèmes, comment on dit, de saboter tous les systèmes. Merci Flacho pour follow sur Twitch, bienvenue à commun. Ça vous a pas fait sursauter? J'ai le son à fond, les amis, aussi, hein. Rigoler, mais quand il va arriver, on va voir qui c'est qui va crier. Ah, vous savez pourquoi il sabote les systèmes? Oh non, c'est le pire. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que je pense que c'est pour fermer certaines portes. Pour avoir le contrôle sur les portes ouvertes ou pas. Afin de nous coincer. C'est un ancien employé, l'IAX? C'est peut-être pas un sans-abri, c'est peut-être un ancien employé. Mais bon, vu les panneaux quand même... Putain, quand je vous dis que dans les shots des femmes, c'est pire que dans les shots des hommes, regardez. Comme par hasard, ça va se passer dans le chat des femmes. Et voilà. On le voit ou pas, là? C'est lui ou pas? C'est sa tête? Non, je crois pas. Je vous taquine, bien évidemment. Oh non, faut qu'on ouvre les portes, une par une. Pas de pied, hein. Il a levé le pied, il y a quelqu'un, il est là. Il est là. Ça souffle, ça? On peut se planter. Transfert vers la maison de Manhattan. Apparemment, c'était quelqu'un de riche qui vivait dans un penthouse. Vulture, ça veut dire quoi déjà? Je m'en rappelle plus. C'est vautour? Vulture? J'ai un petit doute.
Et juste derrière, non? C'est vos tours. Ok. Je pense qu'il est juste derrière, les amis. En plus, il est chiant parce qu'il va dans les toilettes des femmes. Déjà que quand j'étais au boulot, les hommes, ils ont pour réputation d'aller dans les toilettes des femmes quand il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui est un peu vrai, mais... Ah mon dieu, c'est ces bruits de pas. C'est Homeless le jeu. Et bonjour Cade. Il vient vers là ou pas? Oh, oh, la fait pas chier, elle va chez les hommes. Les filles, vous faites pareil, sinon vous allez dans les toilettes des hommes, non, quand il y a trop de monde chez les femmes. Ok, j'ai besoin de me cacher, le tueur retourne sûrement sur la scène de crime. Bah, attendez, on va se cacher là. Là, elle est bien cette porte, non? Ah bah non, c'est là le crime, quel con, faut pas se cacher là. Mais je me cache où? Là, c'est bien. J'attends. J'y vais ou j'attends? Parce que... Oh putain, il reste devant, il se barre pas! Il est là! Vu sa taille, il peut voir au-dessus, hein, ça se trouve à terre. Non, oh, non, oh là, imaginez, j'aurais vu sa tête par-dessus, je pense que je hurle, je vous le dis. On attend, je crois qu'on est obligé de partir à un moment donné, les amis. Ou alors on reste, on coupe le jeu ici, non? On finit le live ici, on reste là. Les traces de pas, j'ai vu. Ah, mes traces de pas, vous pensez qu'il a vu mes traces de pas? On va jamais sortir d'ici. Non, c'est pas le moment de pisser, il va nous entendre sinon. Ok, on attend un peu. We'll be waiting a bit. Juste, on ouvre, ok. On ouvre seulement, ok. J'ai peur que ça soit un piège et qu'il soit juste là. Ouais, moi aussi j'ai peur, j'ai vu que ça soit une feinte. J'ai tellement peur. Après, il n'y a plus ses pieds, mais ça se trouve, il est juste là. Il a pris un autre morceau au corps. Je pense qu'il a récupéré un autre morceau, non? Il a plus de bras. Je crois qu'il lui a pris son bras. Oh mon dieu, putain, mais c'est noir total. On voit rien, les amis. Je peux pas avoir une lampe de torche? On voit rien. Faut qu'on y aille. On est obligé d'avancer. Après, on est censé l'intercepter, quoi, qu'en même temps il a tout saboté, donc là c'est fermé, hein. On va où, à votre avis? On retourne là où il a cuisiné? Ah oui, c'est clairement un cannibale. Hein. C'est clairement un cannibale. Hein. Après, il est désespéré, hein. Ça me fait penser à ceux qui avaient eu l'accident de voiture, l'équipe de rugby, vous vous souvenez? Merci Flowers pour le follow sur Twitch. Merci Création Studio pour le follow. Bienvenue à la commu. Hello les arrivants. Tu viens de YouTube, Flowers? Ouais, vous êtes nombreux à venir du YouTube et TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre, à faire
comme Flowers, les amis, vous aurez une bien meilleure qualité. Merci à toi en tout cas, sois la bienvenue. Ok, ici on n'a pas passé, on n'a pas fait les escalators. Merci la zoupette, ça y est, ça fait 9 mois. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai, ton message fait trop plaisir zoupette. Merci à toi pour tes good vibes. Bah de toute façon on peut passer que par là, il a saboté les portes les amis, on peut pas partir par n'importe quelle porte. Je crois qu'il nous... En fait on est obligé, il nous tend un piège, il nous amène exactement là où il veut mais on n'a pas le choix. Oh mon dieu, c'est quoi par terre? Non c'est bon? Non c'est rien. Non c'est rien. C'est des restes de McDo ou de kebab. Ah merde, on a... J'ai pas le code! 3? C'est un 3? Attendez, il y a un code les amis. Non, c'est pas 666, je vous vois venir. C'est un 3 ou un 5? J'ai peur qu'il arrive les amis si on met trop de temps. J'ai peur qu'il arrive si on met trop de temps. Y'a plus personne de l'autre côté. Y'a station 4, 5, 6, mais je pense pas que ce soit ça. C'était un 5. Je vois pas où c'est qu'il part en code. Ouais mais 5 ça suffit pas. C'est peut-être pas un indice hein, je me suis dit sur le mur derrière moi. Ouais mais je louche tout le temps les amis, dites-moi. Il y a un 2 et un 3. Je les vois pas. Sur les murs là. Oh, il y a un 7. Donc D, ça doit être le quatrième chiffre, les amis. Ça va être ABCD. Ok. Donc il faut trouver le A. Le 8, c'est le C. Donc est-ce que vous pouvez retenir pour moi, les amis? 8, c'est le troisième chiffre. 8, le troisième chiffre. Et 7, c'est le quatrième. Merci beaucoup, ce profond. Ouais, j'ai vu, je viens de voir. Chiffre c'est le 3 et A c'est le premier chiffre, c'est le 7. Ça fait 7 3 8 7. Merci de vous monter au top. J'ai cru que ça allait être chronométré, en fait j'ai cru qu'il allait arriver au fur et qu'il allait avancer tout doucement vers nous et que ça, en gros une énigme chronométrée quoi. 7 3 8 7. Merci les amis TikTok et YouTube qui follow, faut pas hésiter à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez du HD, pas mal d'avantages, demain je vous ferai gagner plein de jeux d'horreur. Merci Emilie pour les 8 mois. T'as changé de pseudo, ouais je me souviens. Et ben merci à toi en tout cas pour ton message et pour ton soutien. Merci Flash pour le follow, bienvenue à la commu. Ah putain il était là, non regardez, il y a un sac de couchage. En fait, il y a une mécanique qui est super intéressante, les amis. Depuis le début du jeu, c'est le fait que, en fait, on n'a pas de lampe de torche, mais en fait, faut qu'on clique dessus pour que ça la tourne et que ça nous montre quelque chose. Et du coup, c'était sa fille? C'était sa fille ou c'est quelqu'un qui l'a bouffé? Je pense que c'est sa fille, vu le cœur. Et le truc, c'est qu'on... S'il vous plaît, laissez-moi tranquille! Je n'ai aucun abri. Ok, c'est un autre sans-abri, les amis. Vous inquiétez pas, monsieur. Je pense que pour cette soirée, j'ai envie de vous laisser là, moi. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? S'il vous plaît, laissez-moi tout seul. Je n'ai aucun endroit où aller, s'il vous plaît. Oh, il me fait tellement de la peine. Il va se faire bouffer par l'autre. Le problème, c'est qu'il va se faire bouffer par l'autre, non? C'est vrai, Sonia? Ça fait trop plaisir. Merci à toi. Ne t'inquiète pas mon ami, je vais pas te faire de mal, je veux juste te dire que si tu vois un sans-abri qui est très grand,
Fais attention à toi. Bah, j'ai ici depuis un moment et j'ai jamais vu aucun autre sans abri. Mais s'il vous plaît, ne me foutez pas dehors. Ou alors c'est nous qui hallucinons. Il y a peut-être pas d'autres sans abri. C'est peut-être nous, on est fous. Hein. C'est peut-être nous. Hein. Ça se trouve, on est. On a peut-être des hallucinations. Je lui prends sa lampe de. Non mais le pauvre, c'est un sans-abri. Vous voulez pas qu'on lui vole les trucs? Locos vole lui sa lampe de torche. Le pauvre, il a plus que ça. Non, non, non. De toute façon, on peut pas prendre. À mon avis, il faut aller là où ça clignote. Hein. Je crois que ça s'est ouvert là. Ah bah il y a eu souvent hein, des tueurs en série qui tuaient des SDF parce que malheureusement ça fait moins de bruit. Parce que comment dire, quoi c'est un tueur en série, c'est parce qu'il y a des disparitions déclarées. Mais un pauvre sans abri qui va déclarer sa disparition. Donc malheureusement oui ça arrive souvent. Personne ne les réclame, c'est ça le problème. Et si leurs amis vont porter, on les prendra pas au sérieux. Oh merde. Non mais c'est pas possible, c'est pas humain. C'est pas humain. Pas m'attendre. Oh mon dieu, il va être là dehors. Il va être là de l'autre côté. Attendez, je vais savoir ce qui se passe quand le train est passé. Non, on voit rien. Putain, je l'entends. Vous l'entendez, les amis? Vous l'entendez? On l'entend chanter. Ok, alors attendez, est-ce qu'il y a l'un des stores qu'on peut ouvrir? Oh, on est dehors! On est dehors, les amis, on va pouvoir aller au poste de surveillance, mais à mon avis, la nuit, elle est pas finie. Hein. Ok, je dois appeler les flics maintenant, avant que je devienne son prochain repas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les flics vont arriver et vont se faire bouffer. Je vois bien un truc comme ça. Il va appeler les flics, ou alors la ligne, elle va être coupée. What the fuck, c'est quoi? C'est pas lui, ça? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics ou on va voir lui? Moi, j'appellerai les flics d'abord. Un, dans le chat pour appeler les flics. Deux pour aller le voir lui. Moi, j'appellerai les flics. Merci, Duxdel, pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Un, on appelle les flics, ok. Attendez, juste un petit coup d'œil, sans regarder en détail. Est-ce qu'on le revoit? On le voit plus dans les caméras. On le voit plus dans les caméras. Je peux pas. Oh non, les amis, il veut pas appeler les flics. Il est complètement con, le héros. Oh non, j'ai l'impression d'être comme dans les séries sur TF1 où l'héroïne, elle se fait poursuivre. Au lieu d'appeler les flics, je sais pas, elle va prendre une banane pour se défendre comme dans Scary Movie. Je peux pas. Je peux pas prendre. Je suis obligé d'aller le voir. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Je deviens parano. Non mais je pense honnêtement, je pense que c'est lui qui a des hallucinations, c'est pas possible. Quoique non, parce que la personne qui s'est fait couper la tête, elle était réelle. La tête qu'on a trouvée dans le micro-ondes, dans le four, elle était réelle. Donc ça peut pas être que des hallucinations. Ou alors c'est nous. Alors ma théorie, alors dites pas si vous connaissez le jeu, hein. Je vais essayer de théorie, ma théorie c'est que c'est nous qui avons tué le mec. Merde. La ligne est coupée. Il y avait une ombre? En tout cas, la ligne, elle est coupée. La ligne est coupée. Vous voyez quelque chose sur les caméras? Je vois rien sur les caméras.
Oh putain. Oh putain. C'est comme si cet homme voulait transformer ma nuit de sécurité en véritable cauchemar. Il a peut-être un message à faire penser, il a une pancarte. Ouais, je l'ai vu en bas à gauche. Il y a du bruit derrière moi en plus. Oh mon dieu. Je meurs de faim. Puis-je vous manger? Je meurs de faim, puis-je vous manger? Non, non merci. L'enfer, c'est le plan de l'enfer celui-là. Je crois qu'il va falloir y aller hein, les amis, hein, c'est notre boulot. Hein. Putain j'y crois pas. C'est l'endroit en plus, c'est l'endroit où j'ai dit, il va être pile... Oui, il est poli, il demande la permission, il est gentil, il demande si... Bien sûr, avec de la maillot. Le problème, c'est que je sais pas où faut aller. Attendez, souvent il y a une flèche qui nous indique où faut aller. Vous voyez une flèche là? Qu'on doit aller dans les égouts, ça nous indique en général. C'est là-bas. Ok, c'est la troisième section qu'on n'a pas vue encore. Ouais, le jeu est super beau. Ouais, le jeu est vraiment super beau. N'hésitez pas, hein, les amis TikTok, YouTube, vous aurez un bien meilleur visuel sur Twitch, vous aurez du HD. Et on est très nombreux à vous accueillir avec grand plaisir à chaque fois. Faut pas hésiter. Ok. C'était pas un couloir comme ça. Tant qu'on trouve pas le couloir qui est carrelé... Merci GG pour le follow sur Twitch. Bienvenue à Comi. Ah bah évidemment sur YouTube et TikTok je vous mets un truc quand même un minimum quali, mais c'est pas comparable avec du HD. Sur TikTok vous pouvez, sur Twitch vous pouvez balancer sur la télé, enfin il y a plus de choses possibles forcément. Mais ça m'étonne pas qu'il rentre bien déjà sur téléphone aussi. Ok. C'est quoi ça? C'est des poubelles ou il y a un humain dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien, c'est un effet d'optique, c'est le reflet. Oh putain, je crois qu'on se rapproche, les amis. Alors. C'était du carrelage, je crois pas que ça soit là. Hein. On vient là, on lui fout le feu, ou pire, s'il est là, non? S'il vient. Merci Roren Sushi pour le follow sur Twitch. Bienvenue à Comi. Je sens vraiment la course-poursuite, les amis. Je sens la course-poursuite. Merci Nono également pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Hello les arrivants. Ah, je pense que ça va couper l'arrivée de gaz et du coup, le feu qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir y passer maintenant. Un Kenro kebab avec... Ah putain. Je me suis fait moi-même mal aux oreilles. Faut le faire quand même, non? Merci Biftech pour le follow. Tu veux pas te dévouer Biftech vu qu'il a faim?
Dieu! Ah, va, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon âme, elle est sortie par ma bouche. Merci Mamalor pour le follow sur Twitch également. Bienvenue à la commune. Attendez, il nous a sauté dessus, il nous a laissé là, dans un coin. Oh, ça se trouve, il nous manquait un bras ou j'en sais rien. Ça se trouve, il nous a bouffé un bout, il nous a laissé comme ça. T'as jeté ton téléphone, Nina. Il y a des téléphones qui ont volé en l'air, c'est vrai. Ah, vous aussi. Oh, là, il était incroyable, ce passage. En fait, le personnage fait trop flipper. Le personnage fait tellement flipper, je vous jure. Il a vraiment une tête à faire peur. Mais on est où, là? Il nous a laissé où? C'est vrai, moi. Presque un jeu, mais... Le voisinage me semble familier. Attendez, on peut peut-être sauter, non? En bas d'Assassin's Creed, là. Oh non, il est encore là. Ouais, on dirait Gargamel, en fait. Gargamel, il me traumatisait quand j'étais petit, moi. Il me fait peur. Gargamel mélangé à Jigsaw. Il a un air de Fred, paraît-il. Oh... Sur le dessus, ouais. Merci Woody pour le follow. Bienvenue à Comi. Par contre, on l'entend encore. Dorian, ton fils de 3 ans, est fan de Gargamel. Oh la vache, je sais pas comment il fait. Attendez, on va remettre le courant. Merci Nets pour le follow sur Twitch, bien connu. Hello les arrivants. Merci les amis TikTok et YouTube pour le follow aussi. Faut pas hésiter à nous rejoindre sur Twitch. Bon, en fait, il ressemble à un clown. En fait, il ressemble à un clown, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les clowns, ils sont chauves avec les cheveux bien écartés sur le côté, comme ça. Et en fait, le fait qu'il coiffe ses cheveux, c'est pas fait qu'il soit chauve. C'est le fait qu'il est chauve avec les cheveux. Ils ont volontairement, ils l'ont fait écarter comme ça sur le côté. Ça fait très clown, en fait. Et vu qu'il est grand, je trouve que vraiment, ça, je sais pas, ça ressemble à un clown. Merci Misael pour follow et Akanenuma, Mama. Attendez, on va là-bas? Ouais, un peu de Jigsaw en grand aussi. Je pense que là... Et je pense que c'est ça qui me terrifie. Un clown, mais tout en, habillé tout en noir. C'est lui ou pas, il y a des pieds, je suis pas sûr que ce soit lui. En fait, il ressemble à ça, je suis d'accord, il me fait penser au clown de Il est revenu, en fait. Bizarrement, parce qu'il est grand avec sa même coupe de cheveux. Merci Kachou pour le follow. On reste là? Bah... C'est pas lui. Oh, c'est lui! Attendez, lui, c'est peut-être un ami, lui. Mais t'es qui, toi? T'es qui? C'est qui, lui? Alex Wee également pour Flo. Pennywise, ouais c'est ça en fait, il a un air de Pennywise l'autre. On dirait, il y en a pas un dans les 4 fantastiques ou je sais pas quoi, qu'il est, il est invisible. Il est comme ça je crois, non? Hello les arrivants. Il est là, je crois qu'il est là, regardez, il y a les yeux. On va pas aller par là. C'est l'immeuble de l'enfer, non mais c'est l'immeuble de l'enfer ici, il n'y a aucun appart qui va.
Par contre, le jeu, il est vraiment trop beau. Ok, je voulais pas vous déranger. Je barre. Je voulais pas vous déranger, monsieur. Je vous laisse. Je peux aller nulle part. Notice de pour d'expulsion. Joey Smith. Attendez, on s'appelle comment? C'est pas nous, Joey Smith. Je pense que c'est lui, les amis. Monsieur Smith, à cause d'un retard d'impayé, d'un manquement d'impayé de 1 550 $, cette lettre sert de notice d'expulsion de votre appartement. S'il vous plaît, veuillez retirer tous vos biens dans cette propriété à cette date. Sincèrement, le propriétaire. Le pauvre, c'est là où il habitait, il a perdu sa fille aussi, a priori. Je pense que c'est la maison où il habitait quand il était enfant, quand il était plus jeune. On a trouvé les chiottes, c'est bien, on sait où se planquer maintenant s'il revient. C'était sa chambre? Je pense que c'était sa chambre, à mon avis. J'avoue que pourquoi il le poursuit? Parce que là il est plus dans le métro. On est d'accord qu'il est plus dans le métro. Pourquoi il le poursuit? Il n'y a pas d'intérêt. Notre job, c'est de sécuriser le métro pendant la nuit. Mais on n'est plus dans le métro, là, il va au-delà de son rôle, non? Je crois qu'il y a la porte d'entrée qui a bougé, non? Non, c'est les portes de placard. Ok, des pilules. Génial, des seringues. Petit garçon. Ah, il a été expulsé à cause de moi, vous pensez? Du coup, il se venge, c'est possible. Hein. Oh non, il est vivant. Il est vivant, j'ai l'impression. J'ai perdu ma voiture. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la trouver? Oh non, il y a un clown, les amis. Au secours. Non, mais c'est la totale. Il y a un clown. Moi, je me demande si c'était pas un clown avant, hein, le sans-abri. Hein. Ok, faut qu'on trouve la super voiture avec le clown dedans. Ah, c'est notre appartement d'enfance à nous, vous pensez? Ah bon? C'était marqué, j'ai peut-être mal lu. J'ai lu vite fait, peut-être. C'est notre appartement à nous quand on était petit? Ouais, j'espère que... On va pas avoir les clowns. Faut qu'on trouve sa bagnole, quelque part. Je pense qu'elle est dans l'appart. Ok, c'est le nôtre. Attendez, peut-être que les placards vont s'ouvrir maintenant. Non. C'était oui, ok, j'avais mal lu. Ok, vous faites bien de dire. Donc c'est là où on a vécu quand on était plus petit. Oui, mais pourquoi on vient là? Pourquoi on revient là? Sachant qu'il y a... Taré qui nous suit. Est-ce que tu n'es pas impressionné à quel point on se ressemble?
je pense que c'est nous-mêmes. Moi, je vous le dis, je pense que c'est nous-mêmes. C'est nous qui faisons une séparation de personnalité et on a tué les autres. Je pense qu'on tue, on doit tuer les hommes riches qui se trimballent dans le métro un petit peu trop tard. Ok, il faut qu'on trouve le... Toujours est-il qu'il faut qu'on trouve le jouet. Il est là. C'est pas un mur porteur, faites attention s'il vous plaît. Calme-toi Valérie D'Amido. Lui il me fait de la peine par contre. C'est nous qu'on était petits ça? La chair de poule les amis, sa tête fait tellement peur. Oh, vous verriez mes bras, c'est rempli de chair de poule de partout. Il a l'air de souffrir, non? Déteste cette satanée ville. Maman? Maman, c'est toi? C'est Chewbacca. On va le regretter, on va se prendre un karma. Attendez, je prends un coup avant de me prendre un karma parce que... Il va manger la tête, c'est sûr. Il va manger la tête pour ce que... C'est Chewie. Ah putain, c'est moi. C'est moi, les amis, c'est nous. C'est nous. J'en étais sûr. C'est nous qui avons buté le mec. Tu es le coupable. Tu es le pêcheur plutôt. Tu es le tueur. Non mais je l'ai pas tué. Ce n'est pas ma faute. En fait tout ce qui est en rouge c'est la conscience qui nous... Je pense qu'on a un split de personnalité les amis. Tout ce qui est en rouge c'est celle qui comprend qu'on est coupable. Tu es le pêcheur, tu es le tueur. Et à droite c'est celle qui veut pas accepter. Non c'est pas moi qui l'ai tué, ce n'est pas de ma faute. C'est les deux facettes je pense. Le pauvre. Ah mais attendez, on l'a explosé avec un... Ah non mais il est tombé lui, non? Il a eu un accident? Oh le pauvre, il est tombé avec sa moto. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on a un fusil à... Merde! Oh putain, ça part tout seul les coups de feu comme dans le jeu de tout à l'heure, je suis désolé à chaque fois. Ah je crois qu'on a munitions illimitées. Donc ça va, c'est moins grave. Faut pas que... Et franchement, me laissez jamais avec un flingue dans la main dans la vraie vie, hein, parce que sinon je fais un carnage. Hein. Je fais un carnage. Dieu est mort. Enfin, je pense hein, que c'est nous-mêmes. Hein. On a vu qu'il était derrière, mais le fait qu'on ait un flingue, on va tirer sur qui? Merde. Parce que moi, j'ouvre les portes comme ça chez moi, je me fais pas chier. J'ai un flingue et je tire sur les portes. Ça va plus vite. On doit aller où? Ah, mais attendez, je peux l'enlever. Ok. Je peux pas passer.
C'est quoi? Oh mon dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est quoi? Des yeux? On doit aller où? Mais... C'est d'où on vient là ou pas? Je crois pas, hein. Ils sont sérieux? What the fuck? What the fuck? Comment on va faire les amis? Faut qu'on court en arrière? C'est juste qu'il y a idole. Coup les arrivants. On retourne en arrière pour prendre la différence? On tire et on se barre? Non mais fusil à pompe il sert à rien. Hein. En un coup seulement? Bah là je l'ai eu non? Mais je l'ai eu! Non mais attendez je l'ai eu! Pour moi, je l'ai eu, hein. Cet enfoiré veut me rendre coupable pour son meurtre. Je vais la voir. Je l'avais touché. Oh, d'accord, je l'avais touché. Ouais, je vais viser dans la tête, mais c'est dur, il bougeait en tous les sens. Puis ça m'a surpris avec le stress. C'est que je peux pas faire ça, il faut que je cours en fait. Je lui ai mis les deux bastos dans la tête, il y a l'éclat de sang qui est sorti. Mais les amis, je recule ou que je fais quoi? Je recule. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse du hit and run. Je peux pas juste reculer et tirer les amis. Ouais, je pense qu'il faut que je cours les amis. Je peux pas tuer comme ça. Peut-être que à la rigueur les jambes, c'est pas bête. Les jambes, ça peut permettre de le ralentir peut-être. Non mais je pense que je lui mets une bastos et je me barre. Oh, c'est chaud! Peut-être j'ai bien envie de tester les jambes. Je vais tester les jambes et courir. Attendez, ça fait quoi ça? Attendez, ça va quoi ça? Le problème c'est que, en fait, je peux pas courir les amis, ça c'est ma course principale, c'est hyper lent. Peut-être que les jambes auraient du sens, mais j'ai l'impression qu'il est intuable ce machin. What the fuck? Comment je suis censé tuer? J'ai fait en arrière les amis, doucement. Doucement sur le chat, j'ai fait en arrière. J'ai fait deux fois en arrière, j'ai même visé la tête, ça suffit pas, il doit avoir autre chose, faut qu'on réfléchisse. Il doit avoir autre chose. Là, j'ai touché la jambe. Non, mais il y a une solution, il y a forcément une solution. Tire en rafale, c'est un fusil à pompe, les amis. Non, mais il doit avoir un moyen. Il faut 4 coups, Tokyo. Ok, il faut 4 coups. Attendez. Ok, il faut que je tire comme un taré en rafale. Ouais, il faut que je tire plus vite comme un taré. Je recharge déjà à chaque fois. Faut que je clique plus vite comme un taré sur... Faut pas que je me fasse chier à viser la tête, les amis. Ça sert à rien. Faut juste que je bourre tout le chargeur le plus vite possible. En reculant. Comme j'ai fait au début, mais sauf que j'ai paniqué au début. Il va revenir pareil. Il va revenir pareil. Merci pour les GG. Il va revenir là. C'est sûr, il va revenir là. Regardez le couloir comme il est fait, il va revenir là.
Ils flottent tous en bas. Quand je vous dis qu'il fait penser à un clown. Le démon intérieur, c'est marqué là-bas. Non mais cherchez pas, c'est nous. Hein. Il va revenir là. Saloperie. Kessou, on t'a déjà répondu. À mon avis, on t'a tout répondu. Quoi? J'ai l'impression que là, il en fallait 6. J'ai l'impression d'avoir fait les 6, mais je pense que ça s'est joué un fragment de seconde près. Le jeu, il triche. Ouais, d'accord. Putain, faut que je recommence tout le segment. Non, c'est pas grave, on sait où il apparaît maintenant, mais 6, ouais. Non, à droite, il y avait rien. Il y avait de la flotte. Ouais, le nombre de tirs augmente à chaque fois. Je pense que 6, c'est le dernier, à mon avis. Parce que 7, ça me semble compliqué. Mais là, j'ai perdu une fraction de seconde quand il est arrivé, en fait. Je me suis rendu compte parce que... bizarrement, les autres, j'ai essayé de réfléchir quand est-ce qu'il arrivait. Et là, je regardais le chat, j'étais en train de parler, c'est pour ça. Par contre, l'animation, elle est trop bien faite. Quand il fonce dessus, c'est l'enfer. Faut juste bien que je recharge avant de rentrer. C'est le plus important. On aurait dû faire une prédiction. Si je meurs, on fera une prédiction sur Twitch pour savoir si, à votre avis, le prochain try sera le bon ou pas. Là, il va revenir. Là, je crois que là, il en faut 4 encore. Ah non, c'est pas là, j'ai fait n'importe quoi. Là, je crois qu'il en faut 4, il en faut pas 5. Ok, là, il en faut 4 aussi. 4, 4, 5 et 6, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc là, il en faut 5. En fait, faut que je préplace le viseur de mon chargeur dans le centre de l'écran. Eh bien. Et le prochain 6. Là, en fait, on peut pas regarder. Après, ça s'est coupé. Et où les arrivants? Donc là, je prépare mon viseur vers là où il arrive. Oh mon dieu, il est habillé comme un prêtre. C'est moi où il est habillé comme un prêtre, là. Oh, il a les yeux qui redeviennent normaux. Vous avez vu? Vous avez vu les yeux? Ah putain, c'était un vrai sans-abri ou c'est... Il sourit. Albert, après avoir tué le vautour, a rapporté l'incident à la police. Le crime a été... ils n'ont pas retrouvé de traces de corps ou de... ni de traces de l'existence de ce fameux vautour. Albert a essayé de convaincre les officiers qu'il y avait un meurtrier, mais d'après les preuves, la police a conclu que Albert, c'était le psychopathe et que c'est lui qui a commis lui-même les meurtres. J'ai pas eu le temps de voir la dernière phrase, mais je crois qu'il y a un important. Donc en gros, c'est nous les amis. Le vautour, c'est nous. C'est bien nous. Et il était persuadé, on était persuadé qu'il y en avait un autre. On allait voir les flics et les flics se sont rendus compte que finalement c'était nous en fait. Et qu'on faisait une espèce, alors je sais pas ce que c'est schizophrénie, je veux pas utiliser les mauvais termes les amis, mais en tout cas un dédoublement de la personnalité. Les ouvriers à l'ouverture de la station de Brooklyn en 1924. Oh mon dieu, il va être là en arrière-plan. Oh mon dieu!
Oh mon dieu, regardez à droite de la photo. Regardez à droite. Oh mon dieu, c'est horrible, il est là à droite, c'est horrible, il zouzou le détail. En arrière-plan de la photo. Ça c'est trop bien en vrai. Homeless. En vrai, le titre est un peu plus approprié que ce que je pensais, les amis. Dans le sens où c'était pas trop axé sur les sans-abri. C'était plus axé sur le héros qui a côtoyé ce côté-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le monstre, c'est pas un sans-abri au final. C'est plus, on est le rôle de quelqu'un qui doit demander au sans-abri de sortir. Donc c'est un peu moins choquant le titre que ce que je pensais, même si encore une fois, voilà, c'est pas pour en parler 15 ans, mais voilà. Trop bien, le jeu était bien, hein. Je vous avais dit, il avait l'air trop bien celui-là, pépite. Les graphismes étaient ultra réels, je trouve que l'ambiance, elle était dingue.